Vas-y, mets-toi. Vas-y, mets-toi. Vas-y, mets-toi. Vas-y, mets-toi. Ouais, je l'ai là. Yes! Yes! Good! Good! Mathis, regarde la lettre, tu la donnes à Aïda. À la voilà, il a pris la donne à Lia. Nous sommes à Saint-Soutelet et donc c'est une ville qui maintenant va devenir célèbre sur le plan international puisqu'elle est commune d'Observatoire international des nuages. Absolument, j'y compte bien. Oui. Alors on va devenir célèbre. Nous restons modestes. Hein. Bon. Nous restons une petite commune à taille humaine, mais c'est un grand honneur pour nous d'avoir accueilli cet événement d'ampleur quand même importante. Nous sommes très honorés hein, avec les élus, l'équipe pédagogique du collège et de l'école élémentaire, d'avoir pu aussi participer à notre manière à l'environnement et à la protection des nuages qui sont en fin de compte à tout le monde et à personne pour l'instant. Alors quelle a été un peu la jeunesse de cette idée à Saint-Soutelet qui a priori n'était pas prédestinée à s'occuper plus sur notre commune des nuages? Alors c'est Monsieur Mathieu Simonet qui est un avocat écrivain qui en collaboration avec le collège a mené ce projet avec donc les collégiens sur l'idée de quel statut juridique peut-on donner aux nuages. Et donc les collégiens se sont emparés de ce projet et ont travaillé depuis quelques mois avec M. Simonet, avec le professeur d'art plastique. Et donc ils ont décidé ensemble d'observer les nuages et de faire de Saint-Soutelet l'Observatoire international des nuages. Le courrier qui vient d'être posté est adressé à l'ONU pour leur demander de donner un statut juridique aux nuages de façon extrêmement officielle. Voilà. Il ne reste plus qu'à espérer que les élus n'aient pas la tête dans les nuages pour autant. Ne vous inquiétez pas, nous restons les pieds sur terre, regardez, les pieds sur terre, voilà. Et nous savons très bien d'où nous venons, et nous restons humbles et modestes. Merci et nous beaucoup. Travaillons beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Mathieu Simonet, vous êtes ancien avocat et maintenant écrivain, et vous avez mené à Saint-Soutelet le projet de constituer l'Observatoire international des nuages. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser aux nuages? Alors, il y a 10 ans, j'ai découvert le travail d'un artiste qui s'appelle Monsieur Mou, qui s'était passionné pour les nuages et qui avait concrètement découvert qu'on avait fait
que les États-Unis avaient fait pleuvoir un nuage au-dessus de leur territoire et que les Canadiens se seraient plaints en disant « vous avez volé notre nuage ». Et à la suite de cette histoire, il a décidé de faire pleuvoir un nuage canadien qui se dirigeait vers les États-Unis pour rendre le nuage volé. Et il en a fait un film qui s'appelle « Paparuda ». Et son objectif, c'était justement de réfléchir à un statut juridique du nuage. Et donc, il y a 10 ans, j'ai rencontré Monsieur Mou, j'ai découvert cette histoire, et c'est ce qui m'a donné envie, il y a 10 ans, de m'intéresser à mon tour au droit des nuages. D'accord, alors, durant ces 10 années, alors, pour aboutir jusqu'au projet d'aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai mené beaucoup d'autres projets, et il se trouve qu'il y a l'année dernière, Monsieur Mou a fêté les 10 ans de sa performance, et il m'a proposé d'écrire un texte pour les 10 ans de sa performance. Et donc, c'est à cette occasion que je me suis réintéressé au droit des nuages. Et comme la commune de Saint-Souplet m'a proposé d'être en résidence à la fois dans son collège Nicolas Tronchon et à la fois à l'école primaire, l'école Henri Caroli, et qu'il voulait que je fasse un projet autour de la nature sauvage, de la nature domestiquée, je me suis dit que ce serait intéressant de leur proposer un projet autour des nuages. Et donc, d'où l'idée du projet qu'on a mené aujourd'hui, à savoir, on a proposé à 600 enfants et adolescents de s'allonger sur l'herbe pour observer les nuages pendant 5 minutes. Puis, ils ont écrit ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti. Et cela correspond à un remake de pétition, puisqu'on a en parallèle écrit une lettre à l'ONU. Et cette lettre, elle a été transmise par les 600 enfants et adolescents du collège jusqu'à la boîte aux lettres de la commune, la boîte aux lettres qui est juste derrière nous. Donc c'est un projet à la frontière entre la poésie et la politique. Alors supposons que votre projet aboutisse, le moyen de contrôle sur les nuages va quand même être un peu délicat. Alors l'objectif, c'est pas tant de contrôler les nuages, mais de contrôler ce que les États font sur les nuages. Puisqu'aujourd'hui, on peut manipuler les nuages en les faisant pleuvoir de manière prématurée. Pour cela, on peut introduire par exemple de l'iodure d'argent. Et l'idée, c'est de dire à l'ONU, quelle est la conséquence des manipulations sur les nuages sur le changement climatique ? Quel est l'impact des produits lancés dans les nuages sur les sols et les humains ? Et quels vont être les enjeux de propriété de l'eau ? Puisque si un pays fait pleuvoir un nuage, l'eau du nuage ne va pas pleuvoir dans le pays voisin. Et donc l'idée, c'est de dire, il faut faire un audit de la situation et ensuite, il faut soit interdire la manipulation des nuages, soit encadrer la manipulation des nuages au niveau international. L'idée, c'est de se dire que les États ne doivent pas décider seuls ce qu'ils ont le droit de faire lorsqu'ils veulent faire pleuvoir les nuages. Alors vous qui êtes ancien avocat, donc je ne vais pas vous faire un cours de droit sur les res nullius, mais les nuages, ce sont des res nullius qui n'appartiennent à personne. Et en fait, c'est un problème plus général de captation des produits de la nature qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas propriétés au sens juridique du terme. Mais de temps en temps, on a des biens qui appartiennent à personne au niveau national. Là, la propriété des nuages, c'est que c'est un bien qui circule au niveau international. Et finalement, c'est un des biens, il n'y en a pas tant que ça, un des biens qui circule au niveau international et que personne ne peut s'approprier parce que de toute façon, ça bouge tout le temps. Mais effectivement, vous avez raison, ça pose la question plus générale de que doit-on faire face au bien commun. Et l'idée face au bien commun, c'est un peu comme une colocation, il faut se dire qu'il y a des règles de bonne conduite qui doivent être établies. Donc là, l'idée, c'est de définir des règles de bonne conduite sur l'usage des nuages. D'accord. Une dernière question, alors, parce que je ne pense pas que ce projet puisse aboutir rapidement, c'est un travail de longue haleine. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir ? Alors, on se donne 10 ans pour mener ce projet à bien. Et donc l'idée, c'est que tous les 29 mars, ce sera la Journée internationale des nuages. Et j'ai donné rendez-vous aux enfants et aux adolescents dans 10 ans pour faire un point, pour voir si on a réussi ou pas notre pari collectif. D'accord, on verra, j'espère, avant 10 ans. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de la journal. Merci beaucoup. Et comme vous le disiez, cette boîte aux lettres derrière nous est sans doute maintenant la plus célèbre de Seine-et-Marne.